Bonjour à tous les Lunis, les membres de la communauté du studio de Luna Yoga et aux autres curieux, bienvenue. Ceci est le 4e épisode du balado diffusion de Luna, on en parle. Je suis Léa Perret, professeure de yoga et aussi une étudiante en doctorat en recherche sur la santé mentale à l'Université McGill. Je suis actuellement en congé de maternité, mais je n'ai pas pu m'empêcher de continuer le podcast ou le balado diffusion qui me permet de garder un pied dans le monde extérieur. Aujourd'hui, je vais parler à Raymond Dimitri, que j'ai connu à Luna lorsqu'il faisait la réception pour un cours, mais aussi lorsqu'il faisait sa formation professorale à Luna. Depuis peu, Raymond a commencé à enseigner à Luna, et cette interview était l'occasion vraiment parfaite de lui demander comment ça se passait et d'en apprendre plus sur lui. Alors, comment ça va? Ça va très bien, très très bien, et toi? Ouais, ça va, c'est... On s'adapte à cette nouvelle vie. Ça va bien, ça se passe bien jusqu'à maintenant? Ouais, ça se passe bien. Le premier mois, c'est juste comme il mange, il dort, il mange, il dort, il mange, il dort. Mais là, il passe de plus en plus de temps à réveiller, à interagir avec nous. Ou, il nous regarde, quoi. Puis il commence à nous faire des petits sourires, mais ça reste pas mal involontaire, je pense. Ouais. Mais il découvre son environnement encore. C'est ça. Mais surtout, comme c'est ton premier, ça va être beaucoup de découvertes encore, d'incertitudes peut-être. Oui, complètement. On apprend vraiment beaucoup avec le premier. C'est un bel exercice de rester dans le présent parce qu'en fait, tu n'as pas le choix. et de s'adapter sans arrêt. Donc vraiment, tu du jour au lendemain, parfois, tu dois lâcher prise sur ce que tu as fait hier et ce qui marchait, parce qu'aujourd'hui, ça ne marche plus, et donc tu dois trouver autre chose. Waouh, ok. C'est bien, c'est bon que tu gardes ton calme, au moins, que tu vois ça de façon... Ouais, c'est beaucoup de... Je vois ça comme beaucoup de bonheur. C'est pas un moment qui est toujours très facile, forcément. Ça peut être stressant, là, c'est sûr. Mais c'est beau aussi. Et toi, comment ça va ces temps-ci, là? C'est comment tu travailles toujours? Ouais, je travaille toujours. Je travaille 100% de la maison. On avait commencé à dire aux employés de venir une fois par semaine, un minimum trois par semaine au travail. C'était pas obligatoire pour qui le voulait et pour qu'on essaie de garder un maximum de comme 25% du bureau. Je crois qu'on n'avait pas le droit d'aller plus que ça. Okay. Pas beaucoup de gens embarquaient parce que beaucoup de gens trouvaient ça bien à la maison. Mais depuis que c'est... On doit porter des masques quand même. Au bureau, dès que tu es assis à ton bureau, tu n'as pas besoin. Mais on a dû changer toute la configuration, mettre des espèces de bureaux partagés. Alors, tu réserves le bureau à l'avance. Quand tu arrives, tu nettoies. Quand tu pars, tu nettoies. Okay. Et ce n'est pas ton ordinateur de tous les jours, à moins que tu aies un laptop. Alors nous, c'est pour les développeurs de logiciels et tout ça, c'est moins pratique, disons. Ouais. Pas qu'ils restent chez eux. Okay. Mais depuis le code rouge, moi, j'ai arrêté de retourner complètement. Okay. Puis ceux qui y vont, c'est ceux qui, je pense, veulent quitter chez eux, avoir un break. Et alors, ils vont au bureau pour se faire changer. OK. Donc, c'est ça. Ça fait une petite transition dans une question que je voulais te poser, que je pensais que ça pouvait être le fun, si tu pouvais me dire, ou nous dire, trois choses sur toi qui n'ont rien à voir avec le yoga. Parce que ceux qui vont écouter ça te connaissent dans un environnement de yoga. Donc, est-ce que tu avais trois choses? Oui, d'accord. Le premier truc, moi, j'ai étudié en génie chimique. Donc, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai jamais travaillé en génie chimique. J'ai travaillé plus avec des logiciels dès que j'étais à l'université. Donc, depuis 2002, je travaille dans l'industrie de la simulation. Alors, pendant 15 ans, je travaillais avec des simulateurs de centrales nucléaires. Je faisais de la simulation des centrales nucléaires pour entraîner des opérateurs qui vont travailler dans ces centrales-là. Et depuis 6 ans maintenant, j'ai changé d'entreprise et on fait des simulateurs qui vont entraîner des opérateurs de machinerie lourde, comme des grues, des excavatrices, des rouleaux compresseurs, dans la construction, dans le portuaire, tout ça. Alors, justement, moi, le côté ingénieur, j'ai ça en moi, tout ce qui est chiffres, mais surtout tout ce qui est résolution de problèmes. Et mon emploi maintenant, c'est pas vraiment, je ne travaille pas comme ingénieur, je suis gestionnaire, mais c'est, je dois résoudre les problèmes d'entreprise, des opérations. Ça, c'est le premier truc, c'est en ce moment, j'adore régler les problèmes. Je suis très, très rationnel. Je sais que beaucoup de gens dans le yoga sont beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, plus artistiques ou plus créatifs ou plus
Moi, j'ai toujours été beaucoup plus rationnel, plus scientifique. Ouais. Mais ça m'amène peut-être au deuxième truc que les gens s'approchent. J'ai un côté artistique quand même. J'ai été musicien très longtemps, Ah, même de quel musicien instrument? professionnel. Pardon? De quel instrument? Je joue la guitare. Je me débrouille sur quelques petits autres instruments. Le truc, c'est que j'ai jamais eu de formation, comment dire, une vraie formation de guitare ou de quelque musique que ce soit. J'avais un tout petit peu de formation au secondaire en musique, mais pas beaucoup. Alors, j'ai tout appris par moi-même, mais pendant quelques années, peut-être 4-5 ans, c'était professionnel. Donc, je jonglais ça et mon emploi à temps plein. On faisait des spectacles partout au Wow. Québec. On avait un album, on a joué au Francophonie. Vous aviez un album, mais c'était quoi Ouais, le ouais, ouais. votre groupe? Le nom du groupe s'appelle Naïve, c'était du rock francophone. Ok. Et puis, on a pu jouer au Francophonie. On a été extrêmement chanceux. Ils nous ont offert une des scènes principales sur Sainte-Catherine, coin Jeanne-Mance, un samedi soir. Mais c'était le premier samedi des festivités. C'était un ciel bleu. Il faisait super beau. Donc, il y avait peut-être 15 000 personnes devant nous et on a jamais joué autant devant autant de monde. C'était la seule fois, mais c'était incroyable. C'est Wow! Mais alors, gravé dans la mémoire. si jamais, donc moi forcément, puis d'autres personnes qui vont nous écouter veulent retrouver votre musique, où est-ce qu'ils peuvent aller? C'est devenu difficile. C'est disponible sur iTunes, sur Spotify. Le problème, c'est que le nom Naïve est apparemment très populaire. Et donc, ça s'est mélangé avec d'autres groupes. La meilleure chose, c'est de chercher l'album qui s'appelle Arythmie. Et en Arythmie, cherchant ok. Arythmie, vous allez trouver l'album, vous pourrez écouter. Et d'ailleurs, certains des Yogis Lunam m'ont déjà vu jouer pendant les. Comment on appelait ça? C'est des sessions spéciales que Athanasia faisait à chaque changement de saison. C'était chaque workflow. Ah, ok. Donc, une fois par année. Quand j'ai fait ça, je jouais de la musique pendant qu'elle faisait le cours. Ah, oh, Ouais. mais je savais pas ça. Wow, ok, ben, on découvre. Exactement. Et puis, bon, le troisième truc, je ne sais pas trop qu'est-ce que les gens savent ou ne savent pas, mais moi, je vais penser à ça, je ne suis pas né au Canada, je suis né en Syrie. J'ai un parcours spécial, je suis né en Syrie, mais j'ai habité en Arabie Saoudite. Mon père travaillait pour une compagnie française qui avait des contrats là-bas. On était dans un petit genre de village français comme des Gaulois en Arabie Saoudite. Oh, Et wow. Et ça, c'était ouais, quand? Avec quel âge? de 0 à 7 ans à peu près. Comme OK. je suis né en Syrie, mais tout de suite, ma famille habitait en Arabie. Donc, ils m'ont ramené en Arabie. Tous les étés, on retournait en Syrie parce que notre famille était là-bas. OK. Et à 7 ans, on est venu au Canada. Et puis, c'est ça. J'habite à Montréal depuis. J'adore ça. C'est ma Et ville. donc, ta langue maternelle, c'est... C'est le français et l'arabe. En fait, j'ai appris les deux en même temps. OK. Mais comme mes premières années d'école étaient une école française, mes parents parlaient en arabe et je répondais en français. Et plus j'ai vieilli, plus j'ai réalisé, OK, il ne faut pas que je perde cette langue, donc je me force à parler. Je n'ai pas beaucoup d'amis arabophones, donc c'est surtout avec ma famille que je pratique et que j'ai la chance Ok. de parler l'arabe. Donc c'est ça, ouais. Excellent. J'adore les langues. J'adore les langues. Donc, français, anglais, arabe, espagnol. Cool. Bah, ça fait trois choses que il y en a que je connaissais un petit peu, puis d'autres moins, surtout la musique. Je suis vraiment contente d'avoir eu cet aperçu. Et puis je vais définitivement te chercher. Excellent, Je Trop cool. Et puis, on en a déjà un petit peu parlé avec ton travail, par exemple, le fait que tu travailles de la maison plus. Mais c'est ça, on a tous été affectés de façon différente avec cette pandémie. Est-ce que, peut-être plus par rapport au yoga, quels ont été les changements pour toi? Parce qu'avant la pandémie, tu avais fait des remplacements à Luna. Puis tout d'un coup, on a commencé à. Donc, Luna a dû changer de plateforme. Donc, il y a l'enseignement en ligne maintenant. Peut-être que. Donc, je sais que maintenant, tu as commencé à enseigner un cours régulier à Luna. Oui, merci, Donc, comment est-ce que tu vis ça? de passer d'un horaire ultra occupé à absolument rien, je trouve ça très difficile. J'ai eu un moment d'adaptation. Et ça m'a pris du temps avant d'embarquer en ligne pour tout ce qui est exercice, yoga et tout, parce que j'étais justement dans une espèce de down sans m'en rendre compte, Oh, de ouais. cette espèce de ralentissement forcé. Et ça a pris du temps avant de m'en rendre compte et de me dire, oh, OK, je dois me prendre en main. Et c'est là que je dois avouer que la méditation et le yoga m'ont aidé à revenir un peu à moi-même et à retrouver un peu pas la joie de vivre. C'est pas comme si j'avais perdu ça, mais j'étais un peu perdu, disons, qu'est-ce que je fais? Alors, Ouais. c'est ça.
Et c'est drôle parce que ce moment-là, c'est là que j'ai réalisé, oh, je n'ai même plus de remplacement de yoga à faire, je fais même plus la réception les mardis soirs. Je faisais la réception pour Athanasia tous les mardis soirs depuis peut-être 2 ans, et du jour au lendemain, il n'y avait plus ça. Alors, c'est drôle parce que j'ai commencé à me questionner, hein, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie quand même de faire des cours? Pourquoi est-ce que je veux donner des cours, etc. Et sans blague, à peine 2 semaines après, Francis m'a contacté pour me dire, est-ce que tu serais prêt de faire des remplacements ces 3 dates-là? Et je pense que ça a commencé au parc. On commençait à donner des cours extérieurs. Et tout de suite, j'ai dit oui. Et pas longtemps après, ouais, mais est-ce que tu serais intéressé à quelque chose de plus permanent, comme tous les lundis soirs? Et c'était comme un signe qu'il y a 2 semaines, j'y pensais de façon intensive. Et là, ça arrive. Je dis, je ne peux pas manquer cette occasion. Je veux dire oui. J'ai pris l'occasion et j'adore ça. J'ai très content d'avoir dit oui. Oui. Ouais. Quand est-ce que tu enseignes le cours régulier encore? Tous les lundis soirs à 6 h, c'est un flow 1. Un flow 1, ok. Puis Exactement. c'était un peu il me semble, c'était le cours que tu avais l'habitude de remplacer, par exemple, pour Athanasia quand tu faisais la réception. Parfois, tu remplaçais, c'était un flow 1. Ouais, exactement. Exactement. Attention, c'était mardi soir. Mais j'ai souvent remplacé des flow 1, quelques flow 2, que je trouvais juste un peu plus, comment dire, challenging, parce que justement, je faisais plus des flow 1 et je suivais du flow 1 depuis 2 ans tous les mardis soirs. Finalement, ce n'est pas beaucoup plus difficile, c'est juste une adaptation, mais Oui. j'ai continué dans le flow 1 et j'aime ça. Ouais. Ouais, j'aime ça le style flow 1. Ouais. Et là maintenant, avec les cours en ligne, on doit pratiquer quand en même temps d'enseigner. Comment t'as trouvé ça? Ouf, j'ai trouvé ça difficile au départ, surtout que les premières fois, je dois t'avouer que je n'étais pas nécessairement super en forme comme avant la pandémie parce que tout d'un coup, je faisais moins d'exercices, je faisais moins de On passe yoga. beaucoup à la maison. Exactement, on est assis beaucoup plus et tout. Alors, j'ai trouvé ça plus difficile, surtout que un des gros aspects pour moi et ceux qui suivent mes cours maintenant le savent, c'est la respiration et des grosses respirations profondes. Et là, je n'ai pas ça. Il faut que je parle pendant que je fais tous ces exercices-là. Et c'est difficile comme adaptation pour être capable de parler sans perdre le souffle et garder le flow. C'est bien pour une autre chose qui est ne pas perdre notre train of thought, comme on dit, où est-ce qu'on est rendu. Aussi, je suis dans la pause, donc je sens quel cue serait bon à donner. C'est différent que de regarder la classe et voir oh, telle personne fait ça, que je vais donner tel cue. Donc, on dirait que les cues viennent plus de l'intérieur qu'avant. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais. C'était beaucoup comme ça aussi avant mon congé de maternité, quand j'enseignais avec les cours en ligne, c'est beaucoup comme ça aussi. C'est des choses auxquelles tu penses parce que ça, c'est ce qui se passe dans ton corps. Exactement, exactement. Et depuis récemment, c'est 100% en ligne. Et ça, j'ai trouvé ça spécial parce qu'au moins quand c'était moitié en ligne, moitié au studio, il y avait des gens pour me donner un genre de feedback visuel. Oui, Donc, est-ce oui. qu'ils sont complètement perdus, mon cue est pas bon ou pas? Et maintenant, c'est le vide total. Je ne sais même pas si les blagues sont drôles, comme zéro feedback. Mais aussi, des fois, je me demande est-ce que j'ai bien expliqué ça? Parce qu'il y a des choses qui sont faciles à expliquer, qu'on explique toutes les semaines, les sound salutations et tout, mais des fois, quand on essaie d'amener une pause un peu plus nouvelle pour le groupe, ouais, on se demande est-ce qu'ils suivent ou pas. Ouais, C'est un peu plus ouais, difficile, ouais. ouais. Ouais, Mais c'est ça. j'aimais bien l'énergie qui vient des gens aussi, c'est sûr. Ouais, je pense que ça manque à tout le monde. C'est vrai qu'il y a un côté, il y a un côté vraiment cool de pouvoir pratiquer de chez soi. Ça, c'est vraiment bien. Moi, par exemple, j'ai pu recommencer ma pratique en suivant un cours donné par un autre prof grâce à ça, en fait, grâce au fait que maintenant, il y a énormément de... Bah, tous les cours sont en ligne. Et donc ça, c'était génial pour moi. Puis j'imagine que c'est bien pour d'autres personnes aussi qui autrement pourraient pas sortir facilement de chez soi pour une Exactement. raison ou une autre. Donc c'est une belle opportunité, mais c'est vrai qu'en même temps, ce qui nous manque beaucoup, c'est ça, l'énergie, le fait de voir d'autres mondes, les conversations qui sont avant, après le cours, les petits Exactement. clins d'œil pendant les cours. Bon, ça reviendra. Exactement. Oui, je suis certain que ça reviendra. Oui, en temps et lieu, oui. C'est ça, il faut prendre son mal en patience. Exactement. Oui. Et en fait, un autre avantage auquel je l'ai dit, c'est que j'avais quelques amis qui, eux, ont rarement participé à des cours de groupe, que ce soit yoga ou autre exercice, parce qu'ils sont peut-être
peut-être gênés ou ils ne sont pas bien en groupe. Et je trouvais que pour ça, cette explosion tout d'un coup de disponibilité de choses en ligne, c'était bien pour eux parce que justement, ils n'avaient plus cette pression de est-ce que les gens me regardent, est-ce que je fais ça bien, est-ce que... et là, ils peuvent juste se concentrer sur eux-mêmes et faire pas le cours. Alors, j'espère qu'ils en profitent. Ouais, c'est un très bon point. Ça me rappelle quand j'ai commencé le yoga il y a longtemps maintenant, mais c'est vrai que quand on commence le yoga, on a beaucoup cette tendance à avoir peur que quand tu es en train de faire ta pratique, puis la façon dont tu fais les postures, il y a des gens qui te regardent. Mais en fait, personne ne te regarde, à part le prof, mais c'est un regard qui est, comment on dit, qui est bienveillant, qui est là pour te guider, mais c'est vrai que... au début, on croit que les gens vont te juger, puis alors que, bon, en fait, finalement, tout le monde pense ça, donc du coup, personne ne regarde personne. Et je te dirais, c'est vrai, pour beaucoup de choses dans la vie, on dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Ou, comment... et dans le fond, les gens ne pensent pas à nous, je dirais, ils n'ont pas cette pensée-là. Ils ont leur propre truc, leur propre monde, dans le fond, mais c'est vrai que c'est souvent accablant. Mais qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que les gens me regardent? Est-ce que je fais ça bien? Effectivement, ouais. J'ai pas encore pu prendre un de tes cours, c'est pour ça que je te demandais encore quand est-ce que tu les faisais, parce que j'ai repris le yoga, mais c'est peut-être une fois par semaine, puis ça dépend énormément du bébé, donc c'est plus comme, c'est genre, là je suis libre, est-ce qu'il y a cours? C'est ça, c'est pas toi qui décide, c'est toi qui décide, c'est lui qui décide, donc s'il y a un lundi à 5h30, il me laisse, à ce moment-là, je peux reprendre le cours. C'est pour ça que les on-demand, maintenant, c'est parfait pour toi, parce que dès que ce petit moment-là, t'en profites, parce qu'il peut être tard. Complètement, il y a un cours que j'ai commencé la semaine dernière, il s'est réveillé tôt, donc je me suis dit, ok, cool, je vais pouvoir faire le cours de Anna, parce que j'aime quand même le fait que ce soit en live, que ce soit en direct. Donc, j'ai commencé le cours de Anna et puis finalement, au bout de peut-être 20 minutes, il s'est réveillé, puis il fallait que je le prenne et tout ça. Donc, il y avait le cours derrière qui allait continuer à faire les postures, tout ça. Puis finalement, le cours s'est terminé, je n'ai pas pu le reprendre. Donc, à ce moment-là, c'est super parce que effectivement, j'ai pu refaire le cours plus tard dans la journée. Donc, c'est un autre... une autre bonne chose sur ces cours qui sont en ligne. Je trouve que c'est super cool comment Luna s'est adaptée rapidement et a changé son offre. C'est incroyable d'être flexible comme ça, rapidement comme ça. Et puis, pas parce que je donne des cours là, mais je trouve que je suis des cours là aussi et je trouve que la qualité justement est bonne et le rendez-vous. Et c'est vraiment une bonne chose. Ouais. Complètement, oui. Il y a eu une belle progression puis une belle évolution dans ces cours qui ont tout d'un coup dû être donnés en ligne. Puis j'aime énormément maintenant le point de vue où on voit vraiment le studio, on se croirait presque en train de pratiquer dans cet espace-là qui est si beau avec toutes les fenêtres puis les plantes et tout ça. C'est excellent. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez aimé cette conversation. Vous pouvez retrouver Raymond les lundis soirs à 18h pour un cours de yoga Flow 1. Pour la deuxième partie de notre conversation, Raymond nous parlera des débuts de sa pratique de yoga, de ce qui l'inspire et comment il intègre des principes de yoga dans la vie de tous les jours. À la prochaine dans On en parle. Namasté.